J'espère que vous allez bien. On est le 29 janvier, il est environ 4h30, puis j'ai décidé de vlogger ce soir. Au départ, je voulais vlogger demain, mais j'ai reçu ma commande Zara que j'ai commandée pour Ellie. Puis je suis excitée de vous la montrer, ça peut donner des idées à certains d'entre vous qui ont des petits bébés pour leurs prochains achats. Puis c'est ça, je vais vous montrer après les items que j'ai choisis. Puis ensuite de ça, ce matin, je travaillais de 10h à 1h à l'aéroport de Montréal. On dépiste les gens qui arrivent et qui partent en voyage. Je vais faire ça une fin de semaine sur deux, de 5h le matin à 12h30, le samedi et le dimanche. Puis au départ, j'étais comme pas sûre parce que je me suis dit « Ah, la fin de semaine », mais je pense que je préfère ça, de travailler la fin de semaine parce que la semaine, de toute façon, c'est pas possible avec les heures d'ouverture de garderie puis les heures de travail de mon chum. Mais comme ça, ben, ça me fait des heures, puis la fin de semaine, de toute façon, on fait rien, puis j'arrive super tôt dans la journée, fait que ça brise pas quand même ma fin de semaine. Je suis bien contente de ce petit contrat-là. Puis sinon, après mon travail, j'ai décidé, parce que quand on va à l'aéroport, je passe toujours devant le cimetière où est ma petite soeur qui est décédée. Puis là, je sais pas, j'ai passé devant tantôt, puis je me suis dit, ah, c'est sûr que quand j'arrive, quand je reviens, je vais arrêter la voir. Mais je sais pas pour vous, mais on dirait que moi, j'ai pas le sentiment que la personne qui est décédée est à l'endroit où qu'elle est enterrée ou incinérée. J'ai l'impression plus qu'elle est dans le cœur de chaque personne qui l'aime, mettons. Fait que, t'sais, je ressens pas le besoin d'y aller nécessairement souvent. Mais là, je sais pas, j'ai comme eu l'impression que, je sais pas, j'avais besoin, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis, fait que j'ai été là. Puis sinon, par la suite, ben, j'ai été chercher Ellie à la garderie, ça a super bien été. Puis ensuite, ah oui, puis quand j'ai été chercher à la garderie, il y avait des plein de berlingots de lait, genre des gros litres. Des 1 litre, en tout cas. C'est des berlingots de lait remplis d'eau avec du colorant dedans. Ça m'a tellement rappelé des souvenirs. Quand j'étais au primaire à l'école, on faisait genre un château là, avec plein de briques de lait de toutes sortes de couleurs. Là. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a rappelé des souvenirs. Et voilà. Fait que là, on est à la maison. Les enfants sont tous arrivés. On va manger des pâtes pour souper. Dani est partie à l'épicerie avec le petit chercher. Qu'est-ce qu'il est parti chercher? Du lait, je pense. Puis un pain croûté. Puis une petite bouteille de sangria, que j'ai goût de boire ça. Puis sinon, c'est pas mal ça. Fait que la soirée va être bien tranquille, mais je vais vous vlogger demain aussi. Fait que ça va être comme un petit vlog combiné de aujourd'hui et de demain. Alors, je vais vous montrer mes achats. Fait que c'est Zara. J'ai déjà commandé chez Zara. Ça fait comment un petit bout? Ben, un petit bout. Genre 2-3 mois. Puis j'avais commandé une salopette en jeans, puis un chandail manche longue pour Ellie. Puis j'avais vraiment trippé sur la qualité. Puis c'est quand même, tu sais, abordable chez Zara si tu prends des... même sans rabais, c'est abordable. Mais avec des rabais, c'est encore plus abordable. Fait que je vous montre ça. J'ai acheté, pour commencer, des pantalons parce que Ellie, c'est ça que je voulais vous dire. Dans le fond, j'ai acheté du linge parce que ça fait quand même un petit bout qu'on était à la maison puis qu'il allait pas à la garderie. Fait que j'avais l'impression que... J'avais pas remarqué qu'il manquait tant de linge que ça. Mais là, en y mettant du linge pour aller à la garderie, il y a quasiment plus rien qui fait. Ses chandails sont trop petits, ses pantalons ont de l'eau dans le cœur. En tout cas, il fait vraiment petit. Fait que je me suis dit, je vais faire une petite commande sur Internet. Puis moi, je suis pas une fille qui commande tant sur Internet. Mais depuis la pandémie, j'ai comme, je sais pas, j'ai comme pogné la piqûre. Puis je me suis dit, Zara, mais j'avais déjà commandé. Fait que je sais un peu c'est quoi la qualité. Fait que voilà, j'ai acheté ce petit jeans. Qui a l'air vraiment d'avoir d'être super confortable. Il y a comme l'intérieur un petit peu doublé. C'est du un style armé. Puis aussi, comme vous voyez, il y a l'élastique pour le contour de la taille. Fait qu'ils ont l'air vraiment confortable. D'après moi, ça va faire super bien. J'ai pris du 18-24 mois. Puis le prix, c'était 32,90. Alors voilà!
Ensuite, j'ai acheté un autre type de pantalon comme ça, qui est vraiment beau. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh my God, il est trop beau! » Il y a même des petites bretelles, mais là, ils sont comme des fils, mais ça va comme ça. Voilà. Puis le tissu, j'ai l'impression que c'est comme... Et c'est doux, là. Vous pouvez pas savoir comment, à quel point c'est doux. C'est comme un petit tissu... C'est très doux. Je sais pas comment vous dire. Fait que voilà, ils sont vraiment belles. C'est aussi du 18-24 mois. Puis eux, ils étaient aussi 32,90. Ensuite, lui, c'est vraiment mon préf. Là, il est vraiment beau. C'est un petit coton ouaté comme cela, avec une poche. Puis le capuchon. Fait que là, c'est comme rayé blanc et un genre de brun. Puis l'intérieur est un genre de petit doux brun aussi. Fait qu'il va full être confortable mon coco là-dedans. Voilà! Fait que c'est aussi toute ma commande, c'est du 18-24 mois. Puis lui, il a coûté 25,90. Mais comme je vous dis, allez vérifier les soldes sur le site, il y en a souvent. Ensuite, un petit coton, ben chandail à manches longues comme ça. Il est quand même l'air assez chaud. Puis celui-là, il est rayé jaune et brun. Puis il y a une genre de petite poche, ben une grosse poche, je trouve ça quand même cool. Genre ça fait comme, ça fait bébé là, ça fait... C'est pas, vous la voyez-vous la poche? Elle est ici. Voilà, voilà. Qui est très beau aussi. Ensuite, j'ai commandé ce petit chandail-là dans le 18-24 mois. Il coûtait 14,90 comme l'autre aussi. Lui, il est vraiment plus léger. Puis, la couleur est vraiment belle. C'est deux teintes de bleu pâle et bleu foncé. Voilà. Il est full beau aussi. Fait qu'au moins, ça va faire deux petits ensembles. Si je peux y mettre ces chandails-là avec soit avec rien en dessous ou même un petit t-shirt. Pour que s'il y a chaud, la garderie peut s'enlever avec deux pantalons qui s'ajustent. Fait que si ça y fait pas encore tout à fait, parce que là, il porte du 18 mois. Même parfois encore du 12-18. Mais les vêtements Zara que j'avais achetés étaient du 12-18. Fait que ça devrait bien être correct du 18-24. J'ai hâte de voir ça. Si je suis capable, je vous insérerai des petites photos à l'écran, soit en même temps que je l'explique ou par la suite. Je vais attendre que les gars reviennent de l'épicerie, puis on va souper. Et ce soir, ça risque d'être super tranquille parce que je travaille à 5h, comme je vous ai dit, demain matin. Fait que si je travaille à 5h, il faut que je parte genre à 4h d'ici. Fait que j'ai intérêt à me coucher de bonne heure parce que sinon, je vais être complètement brûlée. Mais sinon, je peux toujours me recoucher demain, faire une petite sieste en même temps qu'il. Ah, puis là, mon chum a essayé parce que nous autres, on habite... Dans le fond, derrière. Notre maison est située à côté de la rivière. Je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas si. Regardez. Fait que la rivière est vraiment derrière la maison. Puis, ça fait quand même un petit bout qu'il fait froid. Parce que d'habitude, à ce temps-ci de l'année, on peut aller marcher sur la rivière. Puis même les enfants, on a genre une côte pour la rivière. Comme le terrain est vite comme plus haut. Fait que même les enfants, des fois, ils glissent avec leur trip et tout ça. Mais là, ça fait quand même un petit bout qui faisait pas froid. Fait qu'on hésitait comme à s'aventurer sur la rivière. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de skidou qui passent à chaque soir. Fait qu'on s'est dit comme, ben, ça doit être correct, ça doit être gelé. Puis là, mon chum, il était voir tester la glace, puis c'était encore full slush. Fait qu'on sait comme pas si la slush est par-dessus une glace qui est ferme ou c'est vraiment toute la slush. Mais son pied, il a comme renfoncé dans l'eau. Mais genre, il pouvait pas comme aller plus loin. C'était quand même glacé, comme on dirait, en dessous. En tout cas, on a laissé faire le projet d'aller marcher sur la rivière. Mais c'est ça, nous autres, on aurait aimé ça, faire une petite patinoire là-dessus. L'année passée, on avait comme débuté de faire une patinoire, mais finalement, elle était comme pas assez grande, puis on avait laissé faire. Mais là, cette année, j'aurais vraiment aimé ça, faire une grande patinoire, puis pouvoir en profiter, parce que sérieusement, on est chanceux de pouvoir... avoir la rivière derrière la maison, fait que pourquoi pas en profiter. Mais en tout cas, si jamais on réussit enfin aller sur la rivière puis que nos pieds ne renfoncent pas dans le slush, ben je vous en parlerai puis je vous montrerai la rivière. Puis en plus, ce soir, c'est super éclairé parce qu'on a quand même des spots puis on a la petite lumière
comme ça que vous voyez. Celle-là. Fait que c'est super comme féerique puis tout ça. Fait que j'ai bien hâte d'essayer cela. Fait qu'on se voit plus tard dans la soirée, mais ça reste d'être bien tranquille. Fait que je vais sûrement vous parler avant de me coucher. Puis salut! Je suis dans ma chambre. Puis je viens de terminer mon bain. Ça a vraiment fait du bien. J'ai pris un bon bain chaud. On le voit avec mon visage qui a toutes les pommettes rouges. Puis avec cette caméra-là, c'est fou là, comment qu'on voit genre tout ce qui est pas parfait dans ta face. J'ai regardé dans mon autre vidéo quand j'ai fait le montage, j'étais comme oh my god. Ouais, c'est une bonne caméra, mais c'est justement ça va comme un petit peu trop proche dans ton visage. Puis là c'est ça, j'ai pris mon bain. Puis je me suis toute nettoyée mon visage avec ma petite brosse que je voulais vous montrer parce que ma brosse que j'ai achetée chez Winners. J'ai trippé vraiment beaucoup dessus. Je savais pas que ça existait ce genre de brosse là. Puis l'autre fois j'ai vu, ben l'autre fois, il y a un temps fou parce que ça c'est avant que le magasin ferme. J'ai vu ça au magasin puis j'ai dit hey, pourquoi je pourrais pas? Je pourrais bien essayer ça. Ok, j'ai acheté ça. Ça en l'envers. C'est une petite brosse comme ça. Ça s'appelle une brosse nettoyante pour le visage. Puis ça vient. Comme ça. Dans une petite boîte. Et il y a un genre de. Ça ressemble à un mini séchoir, là, comme ça. C'est avec un petit bouton. Tu as deux intensités. C'est la plus forte. Et tu as la moins. Ah non, ça c'est fort. Oh oui, ça c'est fort. Là, ça, c'est moins fort. Donc, t'as deux intensités. Les petits trucs comme ça, ils s'enlèvent et ils se remettent. Donc, si tu te laves la face et que t'as comme une teinte, des saletés, tu le prends puis après, tu le frottes dans l'eau avec du savon ou pas de savon. Ensuite de ça, t'as quatre autres embouts différents que tu peux mettre. Donc, t'as celui-là, t'as celui-là. Celui-là et celle-là. Ça, c'est comme des petites billes. Là. Fait que là, tu fais comme. Je sais pas à quoi ça sert, là, mais ça fait bien du bien. Fait que je pense que si je me rappelle bien, c'est comme genre entre 15 et 20$. C'est vraiment, vraiment pas cher. Ça doit se trouver un peu partout si j'ai trouvé ça chez Winners. Puis, si vous en avez pas, c'est sûr que ça manque à votre vie parce que c'est. Parfait, c'est parfait. Là, tu te frottes ça en face ça, avec ton savon pour que tu te laves le visage ou même une fois par semaine, tu peux, j'imagine, utiliser du truc exfoliant. Là. Mais moi, c'est ce que je fais. Je mets mon exfoliant sur mon visage puis là, je viens frotter avec ça, fait que ça l'exfolie full la peau. Puis, ben, sûrement qu'il y en a qui sert à exfolier, mais je sais pas c'est lequel. Là. Mais celui-là, il a l'air assez raide, fait que ça doit servir à exfolier. Et mon focus, là, ça marche numéro 1, je capote. Je capote. Tu sais, les influenceuses puis les youtubeurs, ils font tout le temps comme genre ça de même là, pour que le focus se fasse. Mais moi, regardez, je viens juste à faire ça. Paf! Ça se fait. Je le mets. Focus. Défocus. Focus. Défocus. Fait que c'est ça. Donc, j'ai fini mon bain, là. Je me suis mis en pyjama. J'ai pas séché mes cheveux. Je pense que je vais les baigner puis... Je vais me coucher de même. C'est bien, bien rare, je me sèche les cheveux parce que, je vais vous dire, franchement, je déteste ça, me sécher les cheveux. Qu'est-ce que je fais, c'est que je m'y peigne. Parce que si je m'y peigne pas, regardez, là, comme la... Ça fait comme un genre de frisou, là. Puis là, je me réveillais avec ça, mais comme... De même, bourriffé. Fait que c'est pas vraiment ce que je recherche comme peignure le matin. Donc, c'est ça. Je me peigne les cheveux. Je vais les laisser sécher à l'air libre. Et on va écouter Big Brother. Et c'est peut-être une autre émission que j'ai pas terminée. Puis je vais me coucher tôt, très tôt, parce que je suis fatiguée. Puis je me réveille très tôt demain. Puis là, je crois que je vais vous dire bye maintenant. Parce que si je vous filme demain, mais là, ça va prendre trop de minutes. Hein. Puis là, vous allez me tanner de me voir pendant tout ce temps. Alors... c'est ça. Je vais vous dire bye maintenant. Fait que je vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente soirée. Si vous écoutez ça rapidement, ben, ça va être le week-end. Alors, je vous souhaite un
très beau week-end avec toute votre famille, vos enfants, vos chiens et vos chats. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Bye!